Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un système de stockage, un SSD, de chez Fanxiong. Fanxiong est une entreprise chinoise qui existe quand même depuis 2005, qui aujourd'hui est spécialisée dans les SSD. Ils vendent beaucoup en OEM, ça veut dire qu'ils fabriquent en ONEM. Pour d'autres marques, leur SSD se retrouve dans de nombreux PC vendus dans le monde. Par exemple, on peut retrouver leur SSD dans des PC fabriqués pour la grande distribution. Aujourd'hui, l'entreprise Fanxiong souhaite vendre directement leurs produits, faire connaître leur marque, leur nom en Europe. Maintenant que les présentations sont faites avec Fanxiong, regardons de plus près un de leurs SSD. J'ai choisi leur modèle S770 à S770. Le format M2 en 2280 en PCI Express 4 avec une capacité de stockage de 2 Tera. Sinon, on le retrouve aussi en 1 Tera ou 4 Tera. Il nous indique une vitesse en écriture de 7400 Mbps ou 7300, on ne sait pas trop. Donc en lecture, hein, 7400 et 7300 en lecture. On ne sait pas trop puisque les indications sur leur site, même sur leur propre site, sont contradictoires. Donc c'est quand même important, c'est dommage qu'il y ait ces petites contradictions. Même en écriture, il nous indique 6800 ou 6700. Donc on ne sait pas si c'est 6008 ou 6007. De toute façon, on est là pour le tester. Le SSD est équipé également d'une puce 3D NAND de 2 Go pour la DRAM. Pour la mémoire cache, pour améliorer les performances en usage, en lecture et écriture, et ainsi réduire les pertes de vitesse. Vous pouvez également installer ce SSD dans une PS5, un PlayStation 5 de chez Sony. Ils fournissent même le dissipateur pour dissiper la chaleur, qui reste conseillé et obligatoire si vous l'installez dans une PS5. Pour ma part, je vais installer ce SSD dans mon PC. Mon PC possède également une carte mère Tomahawk Wi-Fi Z790 à Z790, avec 4 remplacements pour SSD M2 en PCI Express 4. Tous les composants de mon PC se retrouvent sur mon blog. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse de savoir tous les composants de mon PC. Si vous avez également un vieux PC, regardez d'abord les caractéristiques de votre carte mère pour savoir si vous n'êtes pas en PCI Express 3. En PCI Express 3, les performances du SSD, même si ce SSD est rétrocompatible, ils seront quand même réduits de moitié. Donc faites attention juste à ça. Comme je vous l'ai déjà dit, le SSD 770 est fourni avec un dissipateur qu'il va falloir assembler soi-même. Moi personnellement, j'en ai pas besoin puisque ma carte mère fournit directement le dissipateur. Donc c'est directement intégré à ma carte mère. Si vous ne savez pas à quoi ça sert un dissipateur, c'est très simple. Ça sert tout simplement à refroidir le SSD. Ça dissipe la chaleur pour que les performances restent constantes. Et aussi, un SSD qui est trop chaud et qui monte trop en chaleur, il vivra aussi moins longtemps. Donc grâce à un dissipateur, ça régule la température et votre SSD, le comportement du SSD, sera toujours aussi performant. Moi, je vais installer le SSD dans mon PC. Donc moi, je l'installe ici, j'enlève le dissipateur, je dévisse et j'enlève le dissipateur. Sur le dissipateur, on peut voir qu'il y a déjà installé le pad thermique. Donc c'est comme de la pâte thermique pour dissiper la chaleur. Là pour le moment je vais déjà installer mon SSD et ensuite j'enlèverai le cache, la protection sur le pad thermique qui sert bien sûr à ce que le pad thermique ne sèche pas. Pour le sens du SSD, vous ne risquez pas de vous tromper, vous regardez l'encoche qu'il y a sur le SSD et vous enfoncez le SSD tout simplement. Il sera un petit peu incliné, donc ça c'est normal. Il suffira de le pousser pour le mettre droit tout simplement. Sur ma carte mère, j'ai une fixation rapide. Ça m'évite d'utiliser le vis qui donne, que fonctionne donne, ou en général c'est aussi fourni avec la carte mère. Mais ici, j'en ai pas besoin, j'ai une fixation rapide. Sur la pâte, donc la pâte thermique est fournie directement. C'est un pad thermique. Donc on enlève la petite languette ici de protection pour éviter que le pad thermique y sèche. Donc on enlève et voilà, on place le SSD, on remet le cache
donc le dissipateur qui est fourni par ma carte mère, et voilà, je revisse, donc c'est vraiment très très simple. Donc c'est vraiment très très simple d'installation. Ensuite, bien sûr, bon, il y a la partie au niveau reconnaissance logicielle. Donc moi, c'est au niveau de Windows 11. Donc je dois faire reconnaître le SSD sur mon PC. Après, c'est un peu différent la manip si vous voulez utiliser le SSD comme système avec, pour le système d'exploitation. Ça, il faudra que vous regardiez des vidéos tuto ici parce que moi, j'ai déjà fait la manip sur mes autres SSD pour installer le système d'exploitation. Ici, moi, le SSD chez Function va juste servir de système de stockage et pour installer mes jeux. Donc ici, pour faire reconnaître tout simplement le SSD dans Windows, il faut lui le formater et il faut tout simplement formater le SSD et lui donner une lettre. Moi ici, je vais lui donner la lettre H. Vous pouvez donner n'importe quelle lettre. Vous renommez aussi votre SSD si vous voulez. Moi, je vais l'appeler pour le test ici Function S770-S70. Donc, c'est pour reconnaître facilement le SSD. Comme ça, je vous montre facilement que c'est bien le SSD chez Function. Une fois que c'est installé et le SSD qui est reconnu, on va pouvoir tester ce fameux SSD pour savoir si il est performant ou non. Pour mon test au niveau des chiffres, puisque en général, on aime bien savoir les chiffres et performances, on va utiliser le logiciel Crystal Disk Mark. Moi, ici, j'ai la version 8.05. Donc c'est lors de mon test, la version 8.05. Je vais le comparer au SSD de chez Samsung 980 Pro 2 Tera également. On va voir la différence de vitesse également avec un disque dur SATA et un HDD pour la blague. Avant de vous donner des chiffres comme ça aléatoires, je vais vous expliquer un peu Crystal Disk Mark. Donc je vais vous donner une petite explication sur les informations qu'il va nous donner. Donc vous avez Read. Pour, c'est la lecture, c'est voilà. Vous avez white pour l'écriture. Le 5 ici, ça ce sera le nombre d'opérations. Donc ça, vous pouvez le changer. Vous pouvez être sur 1 si vous le souhaitez. Donc là, ça veut dire que le test sera effectué 5 fois avant de nous donner le chiffre du test. Ensuite, vous avez SEQ. SEQ 1M, c'est pour SEQ, c'est pour séquentiel. Donc c'est la lecture et écriture, on va dire, dans l'ordre alphabétique, de A à Z. Donc si je résume ça, voilà. Et un M, c'est pour 1 mégaoctet, c'est la taille du fichier qui sera écrite sur le SSD. Ensuite, vous avez Q pour les queues, donc c'est la file d'attente, donc c'est le nombre de fichiers qui sera traité. Ensuite, vous avez T pour les threads, c'est les tâches. En explication, si je l'explique ça plus clairement, ce sera le nombre de personnes pour effectuer la tâche. Donc si je vous explique Q8T1, si je traduis ça, ça veut dire qu'une personne va traiter 8 fichiers de 1 mégaoctet dans l'ordre alphabétique. Donc c'est vraiment un résumé. Ensuite, on a RND 4K. Donc RND, c'est pour random. Et là, on aura la lecture et l'écriture dans le désordre. Par exemple, je commence par la lettre T, puis G, puis Z, puis B, etc., etc. 4K, c'est pour 4 kilooctets, donc c'est la taille du fichier, c'est comme on l'a vu avec 1M. Si je prends Q32T1, ça veut dire tout simplement que une personne va effectuer 32 tâches. En réalité, c'est un peu plus complexe, puisqu'on peut dire aussi que dans A, il y a encore des sous-dossiers. Dans A, on peut dire qu'il y a... qu'il y a des chiffres, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. etc. Donc dans A, il y a des sous-dossiers, etc. Maintenant que je vous ai donné l'explication sur le logiciel Crystal Disk Mark, j'espère que vous allez mieux comprendre avec mes explications. Bon, je l'espère, j'espère avoir été clair. On va lancer le test et on va voir les chiffres de vitesse qui nous indiquent. Thank you.
Déjà, on voit une vitesse de 7127 Mbps pour les séquentiels. C'est ce que les fabricants nous donnent en chiffres, hein. C'est juste cette première ligne que les fabricants nous donnent. Et là, on peut voir que on est proche des résultats, mais on est quand même loin des résultats annoncés par Fangxiang. Pourtant, moi, j'ai toutes les conditions réunies pour avoir du 7300 ou du 7400 Mbps, comme eux, ils nous le disent ici. Je suis à 7127. Le disque SSD n'a jamais été utilisé. Il est tout simplement installé. Donc, c'est pas comme si j'avais utilisé. J'avais installé des fichiers dedans, etc. Au niveau écriture, bah, c'est OK. On a bien les 6800 Mbps annoncés. On est même légèrement au-dessus. On est à 6847 Mbps. Maintenant, si je prends les résultats au niveau des randoms, hein, en lecture et écriture, ce que l'on va rencontrer le plus souvent quand on va utiliser son PC, on a des résultats bien sûr moins grandioses. On voit qu'on est à 741 Mbps en lecture et 565 en écriture. Et en solo, 69 et 253. Donc on est loin des 7000. Vous le savez, les chiffres c'est bien beau, mais c'est mieux de le vérifier en vrai, donc on va le tester réellement. En usage normal, on va copier ici un fichier vidéo de 5 gigas et on va voir quand même que c'est très rapide. On a une vitesse de 4,10 gigaoctets, donc 4100 Mbps. C'est très bien, c'est très rapide, mais on n'est pas dans les 6800 comme annoncé. Donc en réalité, on va copier ici, donc on va écrire en 4100 Mbps ici quand on va copier un fichier vidéo de 5 gigas. Maintenant, on va copier un fichier plus volumineux, un jeu vidéo de plus ou moins 90 gigas avec plein de sous-dossiers. Ici, on a une vitesse de plus ou moins 3,6 gigas, donc 3600 Mbps. Si on tient juste le chiffre marketing du fabricant qui était de 6800 en écriture, on voit bien qu'en réalité, on est bien en dessous. Pour la lecture, je vais lancer le fichier vidéo puisqu'on ne sait pas le voir réellement comme ça. C'est en usage qu'on peut s'en apercevoir. Donc on voit que la vidéo se lance très rapidement. On peut se balader dans la vidéo sans blocage, coupure ni latence. On n'a pas de chiffres, mais en usage c'est agréable et c'est ce qui compte. Un chiffre reste un chiffre, hein. En usage c'est différent. Maintenant, je vais lancer le jeu que j'ai copié. La vitesse est quand même importante pour le lancement du jeu, pour les délais de chargement et la fluidité dans un jeu. Moi ici, j'ai un lancement de jeu qui est quand même très rapide. Le chargement du jeu se fait aussi très rapidement. Et en jeu, c'est vraiment parfait. Bien sûr, d'autres composants de mon PC rentrent en compte pour que le jeu soit bien fluide. Donc ne pas confondre rapidité de chargement du jeu avec le lancement du jeu, avec la qualité d'image, etc. du jeu. Donc ça, c'est des données différentes. Il y a plein de choses différentes qui rentrent en compte. Voilà, le SSD, c'est un plus, mais il y a d'autres composants, bien sûr, qui rentrent en compte dans un jeu vidéo. Maintenant, si je compare le SSD Fangxiang S770, S770 à mon SSD Samsung 980 Pro, qui selon les chiffres est moins performant, allez, le Samsung nous annonce une vitesse de 7000 en lecture et 5000 en écriture. J'ai, lors du test ici, j'ai 6835, ce qui est proche des données données par Samsung, et 4976 en écriture, ce qui est en dessous, mais ça va, on est dans les résultats pratiquement annoncés par Samsung.
Ce qui m'interpelle, c'est plutôt la différence en random. En multitâche Q32 T1, on a 720 et 570, alors que chez Function, on a 741 et 565. On est sur les mêmes chiffres, alors qu'en écriture, ils sont censés être bien plus hauts. Donc le SSD chez Samsung, on est pratiquement sur les mêmes performances que chez Function. Regardons un petit peu les températures. Le SSD chez Function chauffe très peu, il reste dans les 30 degrés. Mes SSD Samsung sont dans les 40 degrés, mais c'est normal car ils sont au niveau de la carte graphique juste derrière, donc ils sont chauffés également par la carte graphique, alors que le SSD chez Function se trouve en dessous de ma carte graphique et donc qui est un peu plus refroidi, alors que mes SSD Samsung sont dans la partie plutôt chaude de la machine. Maintenant, comparons pour la blague mon SSD SATA de chez Godenfear avec le SSD de chez Function. On voit qu'en séquentiel, on est à 13 fois moins hein, sur le SSD SATA, et en random, 2 à 3 fois moins, mais c'est normal pour un SSD SATA. Maintenant, regardons avec un disque dur, un HDD. Les HDD, maintenant, c'est juste pour le stockage. Hein. On voit ici, on est quand même à 36 fois moins rapide. Et en random, on peut voir que les résultats sont quand même catastrophiques. Mais à l'époque, on n'avait pas le choix. On n'avait que des HDD, donc des écritures physiques sur le disque. Donc, c'est normal que c'est moins rapide. Allez, passons maintenant à la conclusion. Déjà le prix, si je parle sans promo, mon modèle de 2 Tera est proposé à plus ou moins 160€, ce qui est déjà un bon rapport qualité-prix pour un modèle légèrement supérieur au Samsung 980 Pro. Bien sûr, en promo, on peut toucher le SSD de chez Function et même celui de chez Samsung dans les 130€. J'ai également eu des performances moins de ce qu'indiquait le constructeur. Aussi, le constructeur nous indique pas des données très claires puisqu'il nous indique une fois 7400, une fois 7300 en lecture, 6800 ou 7700 en écriture. Function doit également faire une mise à jour de leur packaging car les QR codes sur l'emballage ne fonctionnent pas. Sans compter que pour l'un des QR codes, il faut une application un peu spéciale Transparency App qui n'est pas disponible dans nos régions. Et il possède un logiciel pour la gestion de leur disque, de leur SSD, mais celui-ci est reconnu par les navigateurs et par Windows comme un virus. Bien sûr, on peut forcer l'installation, mais personnellement, je ne le ferai pas parce que si c'est déconseillé et reconnu comme un virus, je ne préfère pas le faire. J'ai contacté Function et m'ont toujours pas répondu à ce sujet. Si Function veut être reconnu en Europe, c'est des détails quand même importants qui doivent changer. Et c'est à ce niveau-là que Samsung devient supérieur avec leur logiciel Magician pour les mises à jour régulières et le suivi de leur matériel. En résumé, si vous cherchez des performances prix, Function est une belle alternative à d'autres concurrents avec une garantie de 5 ans proposée sur leur gamme de SSD. Pour moi, un SSD de ces performances est vraiment utile car je fais du montage vidéo et j'ai des applications très gourmandes à faire fonctionner. Sans compter les jeux vidéo dont certains peuvent avoir un chargement long si on n'a pas un SSD assez rapide. Si vous avez un PC qui sert juste pour de la bureautique, n'importe quel SSD fera l'affaire. N'hésitez pas à prendre le moins cher, il servira pour un lancement plus rapide de Windows et de vos logiciels bureautiques. Si vous avez un vieux PC bureautique avec un disque dur HDD, n'hésitez pas non plus à le remplacer par un SSD. Ça vous fera vraiment un tout nouveau PC. Pour les PC gamers et autres, n'oubliez pas, un SSD c'est juste une partie des composants qui composent votre PC. Pour le SSD Function, il faut une carte mère en PCI 4 pour profiter pleinement des performances réelles du SSD. Ce SSD est même bridé sur une PS5. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. La chaîne YouTube et le blog ont été créés pour aider, donc n'hésitez pas à venir poser vos questions. Moi, je vous dis à la prochaine, c'était Dingo Dorwan. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way.
Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be.